What's up tout le monde, c'est Fanny Gobrex et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo donc de Lego, donc ça faisait assez longtemps. Donc pour le set custom numéro 3, donc je vous l'avais déjà annoncé, voilà. Donc un set qui est en quelque sorte presque le même que le set officiel Lego Star Wars AT-RT ou un truc comme ça, je sais plus, AT-RT, ouais, c'est ça. Et donc ce qui est modifié en fait c'est les personnages, la taille. Et les pièces, voilà. Donc déjà on va commencer. Donc déjà il est composé de la TRT, voilà, donc il est beaucoup plus petit, donc il est plus en règle en quelque sorte de Star Wars. Je trouve qu'il est quand même plus beau. Bon après voilà, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est logique que je dis ça. Mais deux personnages, donc un clone avec son casque et ses cheveux, donc on va mettre soit ses cheveux sur son casque. Un Jedi, voilà. Et un droïde K. Voilà, donc je vais vous faire la vidéo. Bah, en quelque sorte, je vais commencer la présentation. Donc, déjà avec la TRT. Donc, attendez, je vais juste remonter. Voilà. Donc, la TRT, déjà, donc ça bouge. Voilà, on peut déplier les ailes quand il n'est pas en action. Voilà, donc on peut faire ça et tout. On peut bien sûr bouger les jambes. Donc, les. On peut faire ça, voilà, ça, bah, tout ce qu'on veut, quoi. Hop, voilà. Sinon, quand on le met à fond, voilà, il marche. Il a un gros canon, sinon, donc alimenté par des pièces transparentes bleues. Voilà, de turquoise, parce que c'est pas vraiment bleu. Donc, tenue en dessous, voilà. Sinon, donc, le siège, y a pas de siège, mais il s'assoit. Non, le guidon, il est comme ça, voilà. Donc, l'arrière, bah, c'est en quelque sorte son siège, voilà. Ici des antennes, voilà. Bah, je sais pas vraiment si c'est des antennes parce que la TRT est comme ça, mais je sais pas trop ce que c'est. En fait, je crois que c'est des antennes. Il me semble que c'est des antennes. Enfin, je vais pas dire des conneries. Voilà. Donc voilà, donc, je vais faire 360. L'arrière. Côté. Côté gauche. Côté droit. L'arrière. Et l'avant. Donc il est plutôt bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Je reviendrai après, je pense, dessus. Donc ensuite, les personnages. Donc on a un clone, voilà, donc qui est pas mal. C'est un commandant. Donc il est comme ça, donc il a des cheveux courts, bruns. Il a une arme custom que j'aime beaucoup. Des épaulettes, donc les anciennes pièces. Son casque, qui est tenu comme ça. Donc en fait, c'est... J'arrive plus. Lol. Voilà. Parce qu'on peut pas mettre le casque parce que la pièce pour faire tenir en fait la tête c'est ici. En fait elle est trop loin donc on peut pas mettre le pied. Mais du coup je mets ça. Pièce comme ça on peut faire tenir son casque. Enfin, on fait croire qu'il tient son casque. Sinon quand on met son casque ça donne ça. Attendez, du coup j'ai rebloqué. Le con. Donc quand on met son casque ça donne ça. Voilà. Il est plutôt classe, hein, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc l'arme custom qui est très très belle. Donc en fait, c'est une arme, les anciennes armes des commandants. Donc Cody et un commandant qui n'existe pas vraiment. Après, une loupe et un bras noir. Voilà, donc ça fait une arme plutôt bien. C'est un peu l'arme de Cody en fait. Parce qu'au départ, j'avais fait, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé cette arme que j'avais fait, parce que c'est moi qui l'ai fait. Faites, pardon. Et voilà, donc j'aimais beaucoup. Du coup, je la reproduis sur ce set. Ensuite, le Jedi qui est moins intéressant quand même que le clone, ce qui est pas mal quand même le clone, j'aime beaucoup. Donc il a un sabre laser, donc celui-là, le Jedi il revient pas mal de fois, donc j'ai fait venir dans un mock, dans deux mocks d'ailleurs, dans le mock de ma grande base, et pas mon mock où il y a la grande base, et le mock Ruins of Rodia. Donc son sabre laser, donc voilà, qui est toujours le même, donc c'est un sabre laser bleu avec une petite corne. Voilà. Sa tenue qui est très très classique mais que j'aime beaucoup quand même. Donc une tenue noire avec les épaulettes, les bras vert kaki je crois. Et des gants noirs, voilà. Sinon la coupe de cheveux très très voilà. Merde, j'arrive plus. Ah d'accord, moi j'ai trop clippé, j'ai trop. Voilà.
Donc, ses cheveux qui sont très très classe, pardon. Donc, des cheveux courts, avec le même. Sa tête, voilà. Voilà. Donc, ses cheveux. Donc, l'arrière, il n'y a rien. Voilà. Hop. Donc j'aime beaucoup aussi ce détail. Je l'ai fait venir pas mal de fois dans mes mocks. Puis classe, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc enfin, le druide gars, donc que j'aime beaucoup aussi. Donc au départ, je l'avais fait pour faire en custom pour The Old Republic, parce que je trouvais qu'il ressemblait vachement à The Old Republic, ce que j'avais fait. Donc voilà, donc je fais une présentation un peu. Donc. Déjà, ce que j'ai changé par rapport au druidoka normal, c'est déjà les armes en quelque sorte qui tiennent les jumelles à son noir, voilà. La collerette aussi est noire. On peut faire tenir les pieds, ce qui fait tenir tout en fait, en quelque sorte le corps. Donc ça change pas ici, voilà. Ça aussi, bah, ses pieds aussi c'est noir au lieu de gris. On sait quand c'est toujours gris. Sinon, ici, donc j'ai mis une petite pièce lisse noire, voilà. Sinon des petits bras robotiques noirs, voilà, qui tient par ça, toujours pareil. Et là, une pièce radiateur grise foncée. Et là, il y a deux pièces, une fois une carrée grise claire, grise foncée, oui. Ici, deux antennes, voilà, qui sont toujours les mêmes. Et ensuite, la pièce pour faire les yeux. Donc, c'est une pièce en bouteille jaune transparente. Bah, jaune, pas vraiment jaune, mais. Jaune fluo, voilà, jaune fluo transparente. Donc voilà, donc ça donne ça, donc c'est plutôt classe. J'aime beaucoup celui-là. On va faire une petite vue, là. Donc là, côté gauche, l'arrière, côté droit, et l'avant. Voilà. On peut faire, voilà, on peut faire, voilà, ninja! Bon. Et donc voilà, donc ça va être tout. Donc je remonte un peu tout. Donc, la TRT. La TRT, voilà, donc. Je pars un peu en couille. Voilà. Bon, c'est vrai que je me suis un peu foiré au niveau du canon. Bah. Après, vous, ça, vous voyez pas trop, mais j'ai vraiment eu du mal. Bah, j'ai eu du mal à inventer un canon. Parce qu'il y en a plein que j'ai fait, mais c'était tellement moche. Bon, celui-là encore, ça va. Il est pas très très grand. Sinon, le clone. Que, en fait, le point fort de ce set, je pense, hein, parce qu'il est vraiment très très beau quand même. Voilà, même si j'ai pas fait grand-chose, mais même dans le set normal officiel de Lego Star Wars AT-RT, il est vraiment très très beau. Parce que dans le set normal, il y a juste une arme normale, un blaster. Il n'a pas d'épaulette, et c'est tout. Voilà, j'ai pas beaucoup rajouté, mais ça fait quand même beau. Le Jedi. Ok. Voilà. Et le droïde K, juste de me montrer, donc je vais faire vite fait. Hop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux et à liker ma page Facebook. Allez, sur ce, je vous laisse. Puis salut.